Bonsoir, nous sommes mi-mars, mais nous aurions pu nous croire en plein mois de mai cet après-midi. 20 degrés à Paris, 22 en région centre et jusqu'à 26 degrés entre les Landes et le Pays Basque. Une douceur qui va continuer demain, en particulier dans le sud, avec le matin un soleil généreux des Pyrénées jusqu'aux régions de l'Est. En revanche, le temps va se gâter par le nord avec un très faible front qui va circuler des Pays de la Loire jusqu'aux frontières du nord, accompagné de temps à autre de quelques bruines. Vous retrouverez le soleil près de la Manche. L'après-midi, un soleil qui va se réinstaller de la Bretagne à la Belgique, le petit front qui va poursuivre sa route de l'arc océanique en remontant vers le nord-est, et puis sur la moitié sud, un temps sec et largement ensoleillé, avec un ciel souvent tout bleu. Les températures de votre vendredi matin, entre 3 degrés pour Nevers et 10 pour le Pays Basque, et puis dans l'après-midi, valeur qui baisse sensiblement dans le nord, mais qui reste toujours aussi élevée dans le sud, seulement 11 degrés en Normandie, 13 à Paris, mais au même moment, 21 degrés à Clermont-Ferrand, 22 à 23 pour la région Rhône-Alpes et jusqu'à 24 degrés à Béziers. Pour votre week-end, malheureusement, la dégradation se confirme, en particulier sur la moitié nord, avec un temps couvert et pluvieux, et des pluies régulières entre les frontières du nord et la Suisse, accompagnées également d'un vent d'ouest sensible. Vous retrouverez un soleil généreux vers le bassin de la Méditerranée, et les températures vont cette fois-ci bien baisser dans le sud, et au nord elles remonteront légèrement. Pour dimanche, un temps gris attendu pour les deux tiers nord du territoire, avec localement 2 ou 3 gouttes, en particulier vers les frontières du nord-est. Le soleil, vous le retrouverez du Pays Basque jusqu'à la Méditerranée, et les températures, malgré les nuages, seront toujours situées dans la douceur, 13 à 14 degrés en moyenne pour le nord, entre 15 et 21 pour le sud. Lundi, amélioration temporaire pour les régions des deux tiers sud, avec un temps sec et largement dominé par les éclaircies. Il fera également très doux, mais à partir de mardi, l'instabilité va revenir, avec d'une part de la pluie par le nord-ouest et le déclenchement d'averses sur le restant des régions. Et puis enfin, pour mercredi et pour jeudi prochain, fiabilité en baisse, mais ce que l'on sait, c'est que le temps sera a priori instable, avec des nuages dominants et porteurs d'averses. On affinera évidemment ces prévisions dans nos prochains bulletins. Demain, vendredi 17 mars, nous fêtons les Patrices et nous gagnons 4 minutes de soleil. Bonne soirée à tous et à demain.